Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Du chiti pral monter dans la commune après le fin passé, 178 l'année, comme section communale sous compte Pestel. C'est président Jovenel Moïse qui fait annonce là sous applaudissement population du Chiti qui t'a fait demande ça depuis longtemps. Désormais, du Chiti pral bénéficier tout service l'État yon commune doit gagner pour fonctionner. Ministre intérieur k'ap gade m k'ap tande m là. Pas oublier moi ouais document du Sisio. M'kwa moi document vieux boudakin. Moi mandé pressé pour voyer commission technique là, qui pour venir chita avec société civile du Chiti. Parce que pas oublier, les communes politiquement viennent déclarer. Ce n'est pas demain matin l'arrêté après le fait. Ça veut dire qu'il faut faire délimitation. Il faut qu'il y ait un entre Moun Pestel. Un tête entre nous et du Chiti côté lié là, les limitrophes avec Beaumont. Les limitrophes avec Campérin. Les limitrophes avec Pestel. Je crois que l'autre commune encore que je te dis les limitrophes. Les limitrophes avec Maniche. Quand il y a les limitrophes, je crois que du 6, limitrophes avec Corail. Ça veut dire qu'il faut que mon travail technique qui vient faire. Pour ne pas gagner une bataille, après que je suis une commune pour donner bon, Mounsa dit que portion de ça, c'est sous commune. Corail n'est pas sous commune de Chiti. C'est pour ça, technicien qui l'a pour ça, CNIGS. Delivery unit qui n'a pas l'air. Pressé, pressé, je dis à samedi, dis 6 semaines lundi qu'à venir, entre lundi et vendredi, madame samedi prochain, pour équipe technique ça, le Kachita avec société civile du Chiti. Ça m'a demandé qu'à Zek là, que je te parle là. À Zek là, rapidement monter un comité avec nos tables dans la commune, non? Parce que nous maintenant qu'on aime mettre du commune déjà. C'est dans mes noms. Qu'on y a pressé, pressé, pour délimitation fin faite, moi-même pour lever joindre moi, pour me passer en conseil des ministres et automatiquement fin passer, nous-mêmes encore, parce que nous sommes tant de cas là, disons parole là, moi m'a tout dit ça. Moun sa devant moi, c'est le chef moi. Parce que c'est le mettre de côté mieux. Ça veut dire yo même d'où. Non. Cartel qui pourra le diriger du Chiti, ils ont même fait demander, ils ont un mot pour dire, ça veut dire qu'ils sont obligés, dans une grosse réunion qui pour faire avec la population, la société civile là pour le choisir, trois membres, ils voient pas moi, et puis à ce moment-là, moi-même, moi nommé. Même si ça a commencé à faire dans la pile commune de pays, le président Jovenel Moïse passe instruction pour une étude de faisabilité qui vient de faire du Chiti. Yon façon pour zone ça bénéficier dans le programme coin 24 sur 24 là. Président des populations pour commencer à mettre tête ensemble, yon façon pour joindre terrain pour construire la centrale électrique du Chitiya. Pour même gens, poteau électrique, débarquer soit dans bonbon, pour faire électrification commune bonbon. Poteau électrique débarquer, mardi soir. Dans la commune Corail, pour électrifier la commune Corail, le ministre m'a dépressé pressé pour étude du Chitia pour technicien aider à Chauvin la sur place. Parce que nous savons. Mounsayo qui devant nous là, c'est des mounsayo même j'ai avec Haïtiens qui vivent dans Port-au-Prince. C'est des gens même les Haïtiens qui vivent dans Jérémy. Haïtiens qui vivent au Caï, Haïtiens qui vivent dans la Guane. Haïtiens qui vivent tout l'autre côté qui a un gros réseau électrique. Vos régions, les ministres, pas un bout de fil, dit. Ça veut dire pas un bout de fil. Ça veut dire Mounsayo. Ce sont des oubliés de la République. Dans du Chiti, le coup présidentiel a passé un bon moment. La Caï, Olicia et Clessido. Il n'y a plus d'anciens familles dans la zone. Tout de suite après, le président Jovenel Moïse a fait un campé dans la commune Roseau
pour brasser l'idée à la population sur quelques travail qui mérite fait dans la zone ça, tant qu'au électricité, construction place publique là, intervention d'INEPA dans source de l'eau à l'autre encore. Chef l'État a visité tout, yon usine asphalte tout neuf li fait rentrer dans la commune Roseau, côté c'est la gravel département Grand Anse pour l'installer pour continuer construire route dans toute commune en dans département Grand Anse. Ça y a environ 3 mois, Ville Jérémy te recevoir 18 aides temps courant. Samedi 27 février, c'est avec satisfaction président Jovenel Moïse lancé courant 24 sur 24 la Jérémy dans cadre projet Limé Haïti. Magistrat, je dis, depuis 35 ans, Jérémy va dire qu'on courant 24 sur 24. À soir, nous disons Jérémy, dans des mémoires violées, nous prenons des avions pour vacciner, pas vrai? Ça l'a dit. Ce n'est pas une centrale électrique qui va grand pas. Mais tout dit nous, à partir d'assaut, il y a 5 moteurs dans la centrale. Il y a 2 transformateurs tout neuf. Parce que l'homme devine 10 septembre. Nous prenons une décision pour débattre 18 heures de courant. Son seul transformateur usé de là. Nous avons 2 transformateurs qui tout neuf qui là. Chaque transformateur ça vaut 3 mégawatts. Ça veut dire que 2 transformateurs qui prennent 6 mégawatts. Qui là? Transformateur 9 ça y est. Même des techniciens qui sont dans la compagnie Kakabila, qui n'ont géré depuis hier matin, qui travaillent pour faire tous les 4 moteurs ça y est. Ça veut dire qu'on pièce en deux centrales là. Qui lui-même soit moi, ça veut dire pas synchroniser tout le moteur ensemble. Ça veut dire même si Jérémy t'a demandé 6 mégawatts au seul coup, c'est d'un coup 4 moteurs avec transformateur, avec synchronisation, là, travail tout Jérémy, au seul coup 6 mégawatts. Demande Jérémy, je dis. D'après ça, directeur central de la Zodi, directeur général EDH, Jérémy, mon demande, l'ALNA est de pointe, ils avaient dit l'ALNA est plus courant, qui moins que moitié centrale. Ça veut dire deux green moteurs, nous avons 5 moteurs là, deux green moteurs supposés alimenter Jérémy sans problème. Mais ça me l'a dit aujourd'hui, même l'a dit nous chaque qui là, courant, même j'ai avec téléphone qui n'a mis nous là, on met plus meilleur, il va gratis. Ça veut dire là l'État prend disposition pour mettre courant disponible. Nous-mêmes, c'est pour nous payer courant. Administration président Jovenel Moïse là fait plusieurs autres travail dans la centrale EDH Jérémyan. Koulié a EDH Jérémyan gain capacité pour stocker 50 000 gallons de gaz. Il y a 2 transformateurs tout neufs qui gain capacité 7 000 kVA. C'est comme ça tout, le président de la République l'a fait qu'on ait des marches pour installer le pont sous rivière Grand Anse avancé. Nous augmentons la capacité. Je dis à nous la capacité de stocker 50 000 gallons de gaz ici. Là. Longtemps, l'homme devine là en juillet, la PAC même qu'à prendre 10 000 gallons de gaz. Je dis à l'autre de 50 000 gallons. L'homme devine là en juillet, l'idée de mon petit transformateur, 2 500 kVA. Jodia, il y a 2 autres transformateurs, tout neuf, 7000 kVA. Ça veut dire, c'est pour jouer. L'homme dit, mettez courant sont nécessités liés. Pas de jouer dans ça. L'homme met pouvoir, il faut exigence. Ou même c'est pour ces villes. Tant que vous avez pont sous rivière Grand Anse, vous connaissez que pont qui sous rivière a 70 ans. Pour ça faire, le président estime que c'est inauguré. Avant coup d'État au débat, il y a mois, mai 1950. De 1950 à 2021, il fait 71 ans depuis qu'on s'est inauguré. Nous disons à soi, moi-même nous avons voté, moi-même nous avons baillé, droit pour parler dans nos noms. 94% de la grande nation était bon droit pour parler dans nos noms. Nous sommes combien pour nous, moi je veux me voir. Qui pour commencer à faire pas, la commencer là à partir de mois mars.
et la prend 6 mois pour le faire. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et pendant l'étude de la fête là, pour aider nous, pour nous pas passer sous pour ça. Parce que pour nous battre des gros accidents d'une fête, nous jouons une banque mondiale qui vient de nous tout, là pour déviation pour nous. En attendant l'étude de la fête pour construire pour nous. Déviation sont déviations temporaires. Il y a fait qui pour permettre que la machine ne va pas passer sous pour nous. Encore pour ne pas sombrer avec le monde qui est dans la machine. Pendant l'étude de la fête, demandez de régler le battement d'âme. Mairie Jérémy, pour toujours mettre nous au courant de tout travail qui a passé. Ça veut dire, travail qui a fait là, songez étude là, la pour étude la fête, le rap dit tout le temps, plusieurs visites dans les jeunes vont aller étudier la fête parce que automatiquement étudier la ville là ça va avec l'offre pour permettre la construction pour l'argent pour coûter 14 et 16 millions de dollars pour ça parce que c'est bon sauf pour vous c'est quel palier et dis-nous ça déjà l'argent jeune étudier la en 6 mois. La commence en mars, la fini en août. Et pour appel de fête, moi t'as aimé, franchement, avant d'aller, ouais que compagnie d'a construit pour commencer. Ville Jérémy, c'est une zone qui te voté président Jovenel Moïse à 94% pendant la dernière élection présidentielle. Yo. Je ne dis à chef l'État dit li important pour citoyens yo bénéficier tout service l'État doué à différents niveaux. Président Jovenel Moïse m'a des populations à éviter sa crase brisé yon façon pour tout projet qui en cours yo ka abouti dans délai qui fixé. Satisfaction mien c'est courant m'a commencé faire mon yo gon lire d'espoir la donne. Ça mien tout combat mené pour route kafou jour fort des pères. Ça mien jodi an moun Port-au-Prince ouais Port-au-Prince yo carré Port-au-Prince autrement. Ça me vient comme satisfaction, mon port de paix, pas de chambre pour port de paix, t'as assez. Et travail nous fait mon port de paix, je dis, on met comme là, puis mettre tomber, port de paix, n'importe mon app naviguer normalement. Certainement, il y a d'autres bagailles, nous avons besoin, et faire un bagou fait. Nous avons besoin de mauvais tableau qui devant le théâtre national. Nous avons besoin de disparaître. Il va disparaître bientôt, parce que dans 15 jours, je vais attaquer. Moi, j'ai besoin de résoudre le problème Gérald Bataille. Je m'explique déjà, ça ne fait pas pour résoudre. Et Cour supérieure des comptes pral CN et contrat. Et nous prenons dans moins de 90 jours et après Gérald Bataille changé. Nous prenons comme projet pilote, quoi dit la terre qui commençait à partir des rues des casernes. Côté ancien DGIT à ce moment dans le pays étranger longtemps, c'est qu'on est à ministère de l'Intérieur, dans la rue de la Réunion. Nous commençons là, nous arrivons dans la rue Saint-Honoré, nous descendons dans la rue Saint-Honoré, dans la rue Enterrement, et puis nous montons jusqu'à rue et Capois, c'est-à-dire Borex, pour nous rendre capables bien. De rue Capois, nous allons et nous virons à gauche, nous arrivons à bon Triomphe, et nous paraissons juste bon, et pour aller paraître sous la rue, mais nous campons droite, bon, dans la rue de la République. Rue de la République, c'est rue qui passait devant Palais, nous passons devant Palais. Actuellement, nous devant Palais, quadrilatère là. Et toute route qui est à l'intérieur, nous étions à peine 45 à 50 mètres. Et pour nous fermer quadrilatère là. Et nous avons fait toute route à l'intérieur. Là, nous avons fait nous traité Ménrolio, nous traité Caniveau, nous traité tout Royo. Et puis nous rectifié les drainages, les bijoux et autres. Et qu'on y a, n'a pas fait ça comme projet pilote pour nous montrer mon mais Port-au-Prince nous souhaitait. Et parallèlement, ou après, moi sorti de la faculté des sciences, moi pas qu'à aller pour me quitter la faculté des sciences dans l'Italie. Pendant la faculté des sciences, ils ont construit la faculté pour nous. Ou après, actuellement, je travaille dans la rue Monseigneur Guillou, de rue Saint-Honoré, pour aller juste dans la rue Oswald Durand. Et m'apprend dans Oswald Durand, je prends rue Joseph Janvier pour aller dans la rue Enterrement. Et je fais rue de la Réunion tout
pour nous sortir, puisque nous avons une bonne partie là-dedans là, déjà. Je vais prendre la rue Saint-Honoré pour m'aller avec juste bord et stade Silvio Cato. Pour montrer l'environnement, ça, mais ça nous a fait pour au moins. Projet Sayo cap coûté 2 150 000 dollars américains visé renforcer capacité production nationale là dans accompagner paysans qui pratiquent agriculture et élevage et spécialement dans le département nord-ouest et puis permettre ministère agriculture ressources naturelles et développement rural continuer bataille contre insécurité alimentaire d'après représentant FAO ou c'est Luis Fernandez. La crise humanitaire qui connaît Haïti est complexe. Les chocs climatiques, les événements météorologiques extrêmes, les troubles sociopolitiques et les faiblesses structurelles, ainsi que la dégradation de l'environnement, contribuent à la détérioration des moyens de subsistance des plus vulnérables. La problématique de la faim et de l'insécurité alimentaire constitue un défi majeur que les gouvernements et les acteurs de développement doivent affronter. Malgré l'ampleur des défis, plusieurs louables initiatives ont été prises par le gouvernement haïtien dans la perspective de contrer les flux de la pauvreté et la faim en Haïti. Le ministre de l'Agriculture, agronome Patrick Sever, félicite et puis remercie Sipo FAO pour le projet Sayo Lidi qui va aider à combattre gangou dans le pays. Je procède avec le représentant de la FAO en Haïti à la signature de 5 projets de coopération technique de montant de 2,150 millions de dollars américains. Ces projets concernent les initiatives de développement intégré pour Haïti, initiative menant la main, l'appui à la mise en œuvre de la politique stratégique nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti, l'appui au ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement local pour lutter contre le phytophthora colocas, agent causal du mildiou du Tao pour la production de semences saines en Haïti. L'agriculture urbaine et périurbaine pour la génération et la diversification des revenus des jeunes et des femmes au niveau du chômage. L'assistance d'urgence à la protection et la restauration des moyens d'existence des populations vulnérables en phase d'urgence du département du Nord-Ouest. La signature de ce projet souligne une fois de plus toute l'importance de la coopération entre Haïti et la FAO, qui entretiennent depuis des dizaines d'années un partenariat qui a permis de réaliser plusieurs chantiers au profit du secteur agricole haïtien. Ils sont en cohérence avec les grandes lignes d'action du ministère de l'Agriculture. J'aimerais à cet égard remercier au nom du MAN et en mon nom personnel la FAO, représentée ici par M. José Luis Fernandez, pour son soutien aux initiatives visant à la dynamisation du secteur agricole. Monsieur le représentant de la FAO, je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du ministère de l'Agriculture à apporter sa contribution à la mise en œuvre et au suivi des projets, tels que prévus dans les documents. Je reste convaincu qu'avec les efforts conjugués de tous, MAN, FAO, gouvernement, population bénéficiaire et autres partenaires au développement, les appuis profiteront comme prévu aux populations cibles et contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un certain nombre de familles vulnérables. Cérémonie pour signer document ça déroulé dans le local ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural qui trouve dans Damien. Est-ce que tout bagage est facile par rapport avec attente nous? Est-ce que nous pensons que facilement nous allons jouer un résultat? Non. D'ailleurs, nous reconnaissons que la vie est un combat, nous allons continuer à combattre. Et ensemble, et ça fait chaque jour, nous développer dans le nous, ça est la solidarité. Et ça fait hier, un groupe avocat est allé justement pour nous continuer vers ça. Mais comment ça est dans le tribunal là? Comment le dossier est lié? Qui côté est lié? Le dossier est encore au cabinet d'instruction, le juge d'instruction y travaille fortement. Mais est-ce que l'IG est en concrétisé ça, il était supposé faire dans le sens pour ordonner sortie? Pas encore. Et jusqu'à date, que, pour qu'on ait nous reprendre qui les travaux à reprendre. Mais ça qui est certain, c'est que ça prend un mois, deux mois, trois mois, peut-être un an. Nous sommes certains que le dossier a continué et arrivé au moment opportun. Bien, on a fait ce que de droit. Donc ce que de droit, pas l'autre bagage, que déférer les gens, les auteurs, pour auteurs encore complices, pas devant qui de droit pour être jugé conformément. Et puis condamné
et pour même pour y aller dans le pénitentiaire, côté lieu qui est réservé pour eux, pour tout le monde qui est bandit, tout le monde qui est criminel, pour y aller juger peine. Jusqu'à présent, il y a une présomption d'innocence sur tout le monde. L'instruction est en cours, nous avons continué à insister, nous avons continué à assister, nous avons continué à exiger pour que la procédure soit capable d'aboutir. Donc c'est jusqu'à présent, ça n'y est. Et pour qu'il y ait une grande tournure, seulement de apprendre que l'autre monde était arrêté au niveau de CPJ, même pas gain d'identité, pas songer non en tout. Mais c'est au fur et à mesure que nous pouvons aller et nous pouvons avoir un résultat. Même Jean plusieurs secteurs de la vie nationale là remettent proposition dans le cadre d'élaboration de la nouvelle constitution. Organisation Femme fait même exercice là vendredi 26 février. Dans le cadre du Forum national, le comité qui travaille sur la nouvelle constitution réalisée dans la tête collée avec le ministère des conditions femmes et droits femmes. Actuellement, 143 pays sur 195 garantissent l'égalité des sexes au niveau de leur constitution. Des changements juridiques et législatifs majeurs sont nécessaires pour garantir les droits des femmes dans le monde. En Haïti, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui à travers l'élaboration du projet de constitution de consacrer le principe d'égalité homme-femme. La nouvelle constitution d'Haïti doit faire disparaître les inégalités de fait et à transformer la perception sociale qui met en évidence la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Article 16, dans le document, qui parle de principe de parité qui est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Et la loi électorale prévoit des dispositions encourageant les partis politiques à désigner des femmes aux postes électifs. Nous-mêmes, nous reformulons, nous disons de préférence le principe de parité exigeant 50% de femmes et d'hommes est respecté à tous les niveaux de la vie. Et la loi électorale prévoit des dispositions contraignantes. Nous connaissons, malgré tout effort qu'a fait dans le secteur, pour encourager, pour mesdames participer dans la politique pays. Nous connaissons les partis politiques qui n'ont pas de volonté. Et d'ailleurs, il y a plusieurs obstacles qui contrecarrent par rapport à la participation politique, mesdames. Par exemple, il y a la féminisation de la pauvreté, il y a l'éducation, il y a les violences politiques. Donc, femme yo peur. Yon même comité à mon agent, rappelé participant yo, proposition qui déjà faite en faveur secteur femme nan. Jodi yon, nous rencontrons à secteur femme nan, nous pas dit c'est toute femme yo qui là, mais c'est représentant presque toute femme yo et à partir de tout département yo. Nous gen avant projet constitution ça, nous te gen article 17.1, nous gen, parce que nous avons encore cette constitution, la constitution a amendé de 87. Nous pas de gagner un quota. Article 17.1 qui n'a amendement qui dit gagner au moins 30% de place qui réservée à mesdames yo et nous gagner plus de femmes dans ancienne législature yo. Nous pas de quoi gagner quota. Plus goumen, plus travail, violence en dans question élection. Plus li présent, c'est moins de femmes yo gagne possibilité pour yo élu. Et deuxièmement, depuis ces femmes qui candidat, ils ont sorti toute bagaille pour empêcher femmes nan avancer et pour empêcher communauté en société an, pour les capables voter pour femmes. Donc c'est ça qui fait aller plus loin, n'aller vers la parité, parce que ministre a expliqué déjà équité, égalité. Nous déjà gagnons politique égalité homme-femme déjà en d'un pays hein, que l'État haïtien si hein, que l'engagé en d'un convention CEDEF, en d'un convention Belém do Pará, en d'un pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais c'est bien d'avoir un cadre légal. Mais en d'un moment loi pays, hein, nous proposer parité hein, en lieu et place de quota. Ministre conditions femmes et droits femmes, là, Marie-Ghislaine, mon premier, insister sur nécessité pour constitution à changer. Madame mon premier mettait accent sur le femme de jouer pour permettre des matchs ça aboutir. Pas quand pas côté mesdames, si nous quand pas côté c'est nous qui a perdu, c'est petite nous yo génération qui a perdu. Femme tendez nous en atelier dit que mais ça nous voulait pour une fois
nous gagnons la voix parce que nous l'avons c'est pour nous prendre. Le mouvement femme, depuis nous jeunes bagaille, quel que soit côté de sortir, depuis nous pour nous, c'est pour nous prendre. Mesdames, mettez tennis, mettez bout de pantalon, prends-moi, fais mesdames, fais carte électorale. Investis pouvoir. Mais pour nous investir pouvoir, faut nous. Disons nous sommes constitution. Faut nous participer dans le référendum non? Pour constitution en passé. Et maintenant pour nous l'élection, cap venir. C'est sous dictée population en travail. Déclaration président comité, M. Boniface Alexandre, qui demande l'organisation de continuer à voir si gestion de la comité a une manière pour aboutir à une constitution qui reflète les besoins réels de la population. Nous pas mettre travail là. C'est sous dictée peuple en travail. Tout ce qui est écrit là, yo, nous pas écrit nous-mêmes quand nous avons courage, nous avons écrit tel bagaille. Non. Nous consulter le peuple là. Son constitution n'a fait pour le peuple. Avec le peuple. Tout ça, peuple n'a pas voulu, nous pas voulu. Constitution n'a pas qu'à dire tout bagaille. Non, pas fait pour l'écrire tout bagaille. Non. Si constitution n'a qu'à écrire tout ça, gagne. Eh bien, c'est 5 volumes. C'est la loi mère. Ça veut dire toute loi qu'elle fait, il faut baser sur lui. Pour faire pour loi pas inconstitutionnelle. Pour travailler, nous faire aujourd'hui, je suis satisfait. Je suppose que tout comité est satisfait. Cependant, nous avons voyé suggestions par le comité. Le comité a étudié les suggestions. Tout ce qui est possible là-dedans, tout ce qui est bon là-dedans, tout ce qui est valable, pour nous insérer. Nous tous là-dedans, c'est un baptême ça, premier forum avec l'organisation famille réalisée. Même comité a annoncé, il y a dit pour réaliser l'autre forum à travers le département. Sous initiative plusieurs organisations protestantes et société civile, une marche déroulée dimanche 28 février dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer kidnapping et insécurité sous toute forme, population a subi en d'un pays à diverses autres revendications. Marche pacifique ça a démarré sous place Constitution Chanmas pour le Talbout sous place Canapévé. Une manifestation qui déroulait sans incident côté sous toute par quoi la police était présente pour garantir sécurité participants. Insécurité, n'est pas bon pour personne. Nous-mêmes, nous avons dirigé le pays. Si l'insécurité, ça, n'est pas un problème, ce n'est pas notre activité, ça, nous avons matin, nous avons l'autre. Et nous profiter, féliciter le comportement démocratique. Tout le monde qui était dans la manifestation hier, qui aide la police à faire travail. D'ailleurs, je encourage tout le monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays, pour toujours qu'il y ait le même comportement non-violent, qui baille la police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement. Parce que craser, briser, ce n'est pas un bagage qui est bon, ce n'est pas un bagage qui est capable. Non, moun kap manifester pacifiquement. Ça fait deuxième rencontre. Conseil supérieur police nationale l'a fait dans moins passé 24 heures de temps pour joindre meilleure façon pour couper insécurité à nos pays, et spécialement phénomène kidnapping. Président Jovenel Moïse a annoncé un ensemble de dispositions qui prend parmi yo renforcement contrôle au niveau douane ak port yo et puis en ligne téléphonique pour bail population accès à bas information rapide dans moment zak kidnapping yo a fait. Nous rencontrons tout, moi passer l'ordre pour le contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour faire particulièrement dans le port Saint-Marc, dans le port Cap-Haïtien, dans le port Lafito, c'est côté plus d'armes et munitions passées entrées en un pays. Et sous même aspect ça à tout, nous demandons. Le premier ministre, pour le presser, le rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères, pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sur la question, ça pourrait être plus bon coup que nous avons parce que les munitions, avec un pile dans les armes, sont sorti dans des conteneurs de faits personnels qui sont sortis aux États-Unis, qui entrent en Haïti.
L'autre décision nous prenons, même quand nous connaissons pour faire coronavirus, nous créons une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement gagner une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire que la police annonce nous que nous avons gagné un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que le monde a bien pour le faire. On croit qu'il y a pu arriver jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que au monde qui a des informations sur les affaires de sécurité, ça veut dire qu'on va arriver devant, ou alors, il faut nous suspendre dans les affaires G-Web Bouche PA, c'est G-Web Bouche Palais. Et là, ça, le monde l'a toujours Kembe anonymali, nous n'avons pas besoin qu'on ait qui moun, c'est justement c'est la collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lit, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que dans les compagnies sécurité qui importaient munitions avec Zama Fedou dans le pays, nous croyons qu'il y a un contrôle qui va le faire. Pendant 5 dernières années, pour voir exactement quelle quantité, quel type de âme que les compagnies ont importé, qui côté y est, qui est-ce qui observe avec eux, et quelle quantité de munitions tout pour nous comparer entre, pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec utilisation, pour nous garder est-ce que ça est soutenable. Puis devant, chef l'État a fait remarquer le phénomène kidnapping a une couleur politique tout. Pendant qu'il a annoncé la création d'une cellule qui a renforcé l'unité anti-kidnapping en dans le PNH. Là. Pour les affaires auteurs intellectuels kidnapping, pas oublier, nous avons songé dans l'année 2013-2014, comment kidnapping, nous avons dit depuis 2011, comment kidnapping a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation a été faite. Et puis kidnapping dans le campus. Et nous songeons dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping non, jusqu'en 2017, kidnapping non à zéro. Ça veut dire, pour raison bon là, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons qu'on est gros vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire que le kidnapping a un autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique. Tout. Forme de décision finale que nous prenons une décision pour nous mettre une cellule anti-kidnapping rapidement pour renforcer la cellule anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas les gens qui sont dehors qui viennent dans la cellule. Ça, forme nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergie pour créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Là. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute notre entité qui travaille dans les affaires renseignement et intelligence dans le pays. Là. Pour nous mettre tête ensemble sous leadership directeur général de la police, là, pour nous capables de mettre un bon contrôle. Nous avons fait kidnapping. Président Jovenel Moïse félicite caractère pacifique, manifestation, divers secteurs dans la société a été fait dimanche 28 février à Port-au-Prince. Une fois encore, chef l'État a demandé l'opposition à mettre tête à gouvernement pour adresser le problème pays dans l'intérêt de chaque grand monde qui vit sur le territoire national. Là.